Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires, mais aussi des grands entretiens. Aujourd'hui, je, reço je reçois pardon, Bruno Pomard. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, j'ai 64 ans, donc un peu de vécu. Euh, j'ai été 36 ans policier. Euh, je suis président d'une association qui travaille dans le rapprochement des jeunes et des institutions, et de la police en particulier. Qui s'appelle Red Aventure Organisation. Depuis 32 ans, je travaille sur ce sujet-là. Mmh. Euh, je suis maire également du rural, d'un tout petit village à côté de Castelnaudary, dans l'Aude. Et euh, je suis euh, accessoirement, je dirais, euh, euh, consultant pour les, pour les chaînes de télé et de radio sur tous les sujets de sécurité. D'accord. Enfin, Paris est à quelques mois euh, des Jeux Olympiques. Euh, d'un point de vue de la sécurité, est-ce que vous pensez que euh, la France est prête à accueillir euh, ce genre d'événement alors, moi, je suis d'un naturel très optimiste. Je sais que on voit beaucoup de spécialistes intervenant dans tous les domaines qui, qui sont euh, euh, sur les charbons ardents par rapport à ce qui va se passer ou ce qui pourrait potentiellement se passer à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Je crois que d'abord, il faut se rappeler que notre pays, la France, euh, a reçu beaucoup, beaucoup d'événements. J'ai moi-même participé lorsque j'étais policier au raid, mmh. euh, pendant, pendant de longues années, euh, j'ai pu participer à l'organisation des Jeux Olympiques en termes d'acteurs de, de la sécurité, évidemment, avec les policiers du Rennes. On a réussi un super événement, au même titre qu'actuellement, il y a peu de temps d'ailleurs, encore une fois, la Coupe du Monde de Rugby, mmh. qui est un événement mondial qui recevait beaucoup de nations, et tout ça s'est fait dans de bonnes conditions. Maintenant, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi Parce que d'abord, le, les Jeux Olympiques, cette nouvelle euh, disposition et implantation de la cérémonie d'ouverture, pose un problème en termes de sécurité parce que si on regarde ce qui se fait à travers le monde et sur les Jeux Olympiques en particulier, les cérémonies d'ouverture se font dans un stade. C'est un vase clos, donc en termes de sécurité, facile, je dirais, pour les organes de sécurité d'assurer la sécurité à proprement parler de, de ce type d'événement. C'est vrai que le choix d'avoir choisi la scène pour faire défiler nos athlètes et tout ce que ça incombe en termes de sécurité pose des questions. Mais je crois qu'il faut être optimiste. Pourquoi je, je suis optimiste d'ailleurs Tout simplement parce qu'on a des, des, des forces de sécurité qui sont capables de répondre. Il faut savoir que, à l'occasion de cette cérémonie, il va y avoir 45 000 policiers de mobilisés même des policiers et des gendarmes qui vont monter de province pour renforcer les effectifs de Paris. Mmh. Il y aura une bulle, je dirais, autour de Paris, en termes de sécurité qui sera mise en place. Il faut savoir que à plusieurs niveaux, le ministère de l'Intérieur et, et la préfecture de police ont mis d'abord un dispositif sur la cérémonie à proprement parler qui va permettre de filtrer les invités, mmh. puisqu'il faudra être titulaire d'un co code barre, donc c'est une chose importante en termes de pré-filtre euh, des gens sera, qui seront invités. Ce sera la charge de la police ça sera la charge de la police. Alors, je pense que ces codes-barres seront contrôlés sûrement par euh, des bénévoles, voire par des. Euh, euh, des, des, ouais, des sociétés spécialisées oui. dans le domaine, je pense. Les forces de l'ordre seront là surtout pour assurer la sécurité antiterroriste de cet événement. Donc, les organismes que sont la DOPC, la Direction de l'ordre public et de la circulation, sera présente en nombre, évidemment. Tous les renforts de policiers et de gendarmes russes seront présents. Je pense aux gendarmes mobiles, au CRS également, qui assureront mmh. des cercles de sécurité tout autour de la manifestation. Dans la manifestation, on retrouvera évidemment beaucoup d'effectifs de police en civil. Ça, c'est une chose qui paraît tout à fait normale. Et on aura une cellule euh, antiterroriste qui sera présente. C'est une première, il faut savoir. C'est le général Réti, le patron du GIGN, qui a eu cette idée de réunir les trois unités, les trois grandes unités, que sont le RAID, le GIGN et la BERI au sein d'un PC non, bah, central, ouais, ouais. qui vont pouvoir chacun, à leur niveau, intervenir. Alors, il faut savoir quand même que les, le GIGN interviendra sur le dispositif des athlètes, le RED sera sur les points hauts avec les snipers, et la BRI assurera la sécurité, je dirais, antiterroriste sur la, la capitale, à pouvoir en parler. Donc il y a un dispositif qui me paraît euh, intéressant et, et sûr, mais encore une fois, il faut compter sur l'ensemble des, des éléments sécuritaires qui seront présents. Que ce soit encore une fois les réservistes qui seront mobilisés, les bénévoles qui ont un rôle aussi important, hein. il ne faut pas prendre ça à, 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 à marge, je dirais, et les effectifs de police qui seront présents sur ce dispositif. Donc, moi, je suis très optimiste. Évidemment, les risques de terrorisme existent et existeront toujours. Ça, on le sait. Rappelez-vous que Manuel Valls avait dit lorsqu'il était Premier ministre qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le terrorisme. Malheureusement, on est dans une société où effectivement le terrorisme est omniprésent et donc il faut lutter contre. Est-ce en concentrant autant de forces de l'ordre sur cette zone, on ne risque pas de délaisser certains, euh, certains aspects aussi ou... Alors, Certaines euh, Si vous parlez des, 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 des départements et des régions ou des villes à risque, avec le risque peut-être d'émeutes, les, les il de... faut savoir mmh. quand même que la police est composée de 150 000 effectifs, mmh. la gendarmerie 5 000 effectifs. On a l'armée qui sera présente aussi, je l'avais oublié dans la présentation, qui sera présente en nombre pour assurer. Il y a toujours le plan Vigipirate qui est là. Donc, les policiers, ces gendarmes-là, ces gendarmes, pardon, ces militaires seront aussi présents pour assurer la sécurité. Donc, je pense encore une fois que les forces de l'ordre, et en particulier les ministres de l'Intérieur et, et, et la cellule qui travaille autour de lui pour ce sujet-là, sera à même de, de répondre encore une fois au risque de, 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 de maintenir la sécurité partout sur tout le territoire. Ça, c'est essentiel. En sachant que, par exemple, l'été dernier, il y a eu euh, de grandes émeutes euh, suite à la mort de Naël, Tout à fait. Euh, quelles sont les, les failles euh, de la police Sur quels aspects euh... Parce qu'on a vu que le maintien de l'ordre était quasiment euh, impossible dans ce genre de situation. Bah, oui, c'est encore une fois, c'est du discernement de la part des forces de l'ordre. C'est pas simple hein, de faire du maintien de l'ordre, encore une mmh. fois. Je crois que euh, les, les, nos policiers l'ont démontré, euh, au même titre que les compagnies d'intervention, au même titre que les BAC, au même titre que la BRAF sur Paris, mmh. euh, interviennent avec parcimonie, avec, euh, avec, euh, comment dire, avec mesure, encore une fois, quand c'est des situations aussi compliquées que celles-là. Effectivement, ça a été compliqué pour nos forces de l'ordre de, de, de régler ces, ces, ces problèmes de sécurité, mais encore une fois, il faudra compter sur l'ensemble des acteurs. Moi, moi, je suis toujours très favorable, vous savez, je suis très sécurité parce que c'est mon métier à la base, mais je suis très euh, attentif à ce que vont mettre en place les maires aussi, les élus dans ces villes, etc. Euh, pourquoi Parce que le travail des associations, des acteurs associatifs, est important, ne serait-ce pour gérer les, les jeunes dans ces quartiers. C'est important de mettre en place des dispositifs d'animation pour contenir, je dirais, tous ces jeunes, pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc je crois que la sécurité, c'est un peu l'affaire du tous ce que j'appelle la sécurité globale. Et les élus ont aussi une responsabilité en matière de sécurité, puisqu'ils sont au PJ évidemment sur leur ville, de maintenir aussi l'ordre ou tout au moins le calme sur leur circonscription ou sur leur ville tout au moins. En tant que policiers, comment on se sent à la veille d'un événement comme les Jeux olympiques ben, Je crois que nos policiers, même s'ils sont saturés, ils sont fatigués, les syndicats le disent à longueur de journée, et c'est vrai que nos forces de sécurité sont très 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 sollicités depuis depuis plusieurs mois même depuis plusieurs années maintenant euh, on va pouvoir compter sur eux parce que ce sont des gens engagés des gens qui qui veulent aller au bout de leur mission mais c'est vrai que euh, il va falloir penser effectivement à eux une fois ce grand événement passé parce que c'est ça devient vraiment compliqué donc une mobilisation et c'est pour ça encore une fois que nous voulons tous nous mobiliser autour de cet événement je pense aux civils également, mais à tous les acteurs, pour pouvoir aider aussi notre, nos forces de l'ordre à, à travailler sur cet aspect précis que sera la sécurité de ces jeux de réplique. Et le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre automatiquement. Euh, si euh, je prends l'exemple des Gilets jaunes, des manifestations euh, monstres qu'il y a eu, et la mission de, de maintenir, de maintenir l'ordre, il, eu, euh, il y a eu des débordements, euh, à la fois euh, peut-être des manifestants certainement, mais aussi. Euh, des policiers. Comment, euh, quel est votre regard sur ce, ce qui s'est passé Il y a eu des gens éborgnés, euh, des mains arrachées. L'utilisation du LBD. Oui, oui c'est revenu souvent, vous avez raison. Alors, moi, moi, moi je suis. Bon, J'ai beaucoup commenté ces, ces événements-là et, et je, je me dis encore une fois que euh, nos forces de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de discernement. Vous voyez ce que je veux dire Pourtant, malgré le fait qu'il y ait eu des, une trentaine de personnes, je crois, qui ont été ébordées hein, sur l'ensemble, plus les blessés, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des milliers de policiers et de gendarmes blessés. D'ailleurs, il y a eu un policier qui a été condamné. Euh, Tout à, six à fait. Mois, euh... Mais il ne faut pas oublier ah. également que sur le comportement déviant de certains policiers, les sanctions étaient là. On a remis en question euh, l'existence de l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN, parce que, soi-disant, c'est de l'entre-soi. Mais moi, je peux vous dire, pour avoir été jeune policier, lorsqu'on me parlait de l'IGPN quand je suis rentré dans la police en 1981, ce n'est pas aujourd'hui, je peux vous dire que j'avais les chocottes, parce qu'ils ne font pas de cadeaux. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas ce, ce service-là pour dire que les GPN en gros couvrent les policiers. Non, pas du tout. D'abord parce qu'ils ont une fonction administrative, dans un premier lieu, et ensuite il y a une fonction judiciaire. Il faut savoir que les GPN, lorsqu'ils enquêtent sur un policier, il y a une demande qui est faite par la justice. Et ensuite, qui juge ben, Le juge, tout simplement, d'instruction, l'instruction, qui décide de la mise en examen de policier. Donc lorsqu'on dit que l'IGPN ne fait pas son boulot... C'est en moyenne entre 1000 et 1500 dossiers de, de policiers qui, sont, euh, qui, qui passent au trapèze, comme on dit chez nous, hein, qui ont des sanctions administratives. Alors peut-être elles ne sont pas suffisantes, je n'en sais rien, mais la sanction, elle existe jusqu'à jusqu la révocation. Donc il ne faut, il faut pas euh, se méprendre en, en, en disant euh, l'IGPN ne fait pas son boulot. Si l'IGPN sanctionne, après chacun a le droit de, de dire que ce n'est peut-être pas assez, mais le nombre de policiers révoqués tous les ans, ça existe. Les dossiers qui sont en grosso modo entre 1300, je crois, cette année. Donc ça veut dire quand même que les policiers sont sanctionnés. Lorsqu'il y a des dérives de la part d'un policier dans sa mission, lorsqu'il commet une faute, il est sanctionné par l'administration. Ça, on ne peut, peut pas le nier. S'il y en a qui passent à côté, ben, qu'est-ce que vous voulez Ça fait partie de la justice. Vous avez des voyous qui sont euh, traduits en justice parfois, qui passent à côté de, 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 de la justice, je dirais. Donc euh, je pense très sincèrement que, encore une fois. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre. Euh... Ah, mais moi, je crois, ne crois pas du tout. Ça, je, je peux vous assurer que je n'aurai pas du tout euh, l'IGPN en, en train d'être de dire que bah il y a eu des violences ouais, mais mais c'est pas grave euh, on, va, on va couvrir les policiers c'est totalement mais alors totalement faux euh, très sincèrement que les gens que la société civile trouve peut-être que la sanction n'est pas assez importante par rapport au policier qui, ouais. qui est sujet à, une, à, une, à, à à avoir fait une, une, une connerie bon mais, euh, soit mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est la justice qui sanctionne quand il y a une révocation et autres, c'est la justice qui sanctionne et qui peut mettre d'ailleurs des, des policiers en prison, ce qui est déjà arrivé. En termes de stratégie de, de gestion de, de, mat, de maintien de l'ordre euh, sur les gilets jaunes, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas... Enfin, en tout cas, la préfecture de police a perdu le fil ou euh, Alors, y a débordé. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le, 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 la, la période où il y avait Delpech, l'ancien préfet. Mmh. Qui était, à mon sens, un petit peu léger. Euh, C'est facile de le dire parce lorsqu'on a des responsabilités comme il l'avait, mais il a été un petit peu léger. Je pense qu'il y a eu la main prise par euh, M. Lallemand. Ça a changé de, 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 de doctrine, c'est-à-dire beaucoup plus offensif. Mais il y avait nécessité que ce soit plus offensif. Et d'ailleurs, la création des braves. En est un petit peu le, 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 le résultat de ces, de ces manifestations ultra-violentes. C'est-à-dire on n'a jamais connu. Moi, j'ai connu, lorsque j'étais CRS, j'ai connu des manifestations avec SKF, avec les marins-pêcheurs, etc. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu voir pendant les Gilets jaunes. Là, on avait affaire à des bandes l'armée qui étaient là pour affronter les policiers. Je ne parle pas des manifestants. Hein. Je fais bien la, 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 la scission entre ouais. les. Des bandes armées d'ultra-gauche, voire d'ultra-droite, qui venaient. C'était de l'insurrection c'était de l'insurrection. C'était une forme d'insurrection. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est passé très très près. C'est pour ça qu'il faut encore une fois saluer le, le travail de nos forces de l'ordre parce que ça a été très très compliqué. Oui, effectivement, pour nos forces de l'ordre. La réaction a été qu'on a revu les méthodes d'intervention et on le voit, on l'a vu avec la création de ces braves. Euh, qui sont intervenus après ce qu'on a connu, vous savez, avec les bacs qu'on avait décidé de mettre mmh. en maintien de l'ordre et où il y a eu quelques dérapages, effectivement, ils n'étaient pas spécialisés dans, sur ce type de choses. Les bacs sont faits peut-être sûrement pour faire du saut dessus, comme on dit, en termes d'intervention. Terme bon, ils n'étaient pas faits pour faire du maintien de l'ordre. Les braves ont été créés, formés, par les, les CDI, par les compagnies d'intervention. Et on a vu quand même un résultat intéressant parce qu'il fallait pouvoir répondre à ces euh, groupuscules de, de, de l'extrême gauche qui, euh, on l'a vu hein, pendant les manifs, qui se fondaient dans les manifestants, étaient capables de se retrouver en groupe euh, restreint et hop et foutre le bazar, comme on l'a vu. Mmh. Et là, il fallait trouver une réponse. La réponse, elle ne pouvait pas venir de la part des gendarmes mobiles et des CRS qui travaillaient en, en unité constituée, qui étaient là pour encadrer une manif, etc. Ils n'étaient pas là pour aller chercher des, des gens dans la foule. Mmh. La création des bacs a apporté une réponse, même si ça a été décrié par certains, évidemment, bah, euh, comme d'habitude. Mais encore une fois, je trouve que la police a su s'adapter. Il, il a fallu du temps pour le faire, hein, c'est clair. Euh, ça a créé ben, ce qu'on a connu, malheureusement, ben, parfois des, 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 comment dire, des accidents avec l'utilisation du LBD, qui a été parfois euh, souvent décrié par les, par les journalistes. Mais encore une fois. Euh, vous savez, il y a eu, je crois, 15 000 tirs de LBD hein, sur, ces, sur ces grandes manifestations. 15 000 tirs de LBD, c'est pas rien. Hein. Ouais. Euh, il y a eu, je crois, une trentaine de gens éborgnés. C'est toujours trop, attention. Hein, je dis pas, le fait d'avoir tiré 15, tirs, 15 000 tirs de LBD et, et, mmh. et une trentaine de gens éborgnés, c'est pas rien. C'est important, bon il, il faut le reconnaître. Mais encore une fois, je pense très sincèrement que s'il y avait une volonté... Des policiers de déroger à la règle du tir au LBD, hein, c'est-à-dire de faire n'importe quoi, en gros, de ouais. tirer à, à la volée directement dans la figure des gens, euh, je pense qu'on aurait eu beaucoup, mais alors beaucoup plus de dégâts. Donc je crois qu'il ne faut pas minimiser. Hein. Attention, ce que je dis, ce n'est pas, pas, pas rien. Mais je trouve qu'encore une fois, les policiers ont su faire euh, preuve de, de discernement, à mon sens. Est-ce qu'il y a eu une crainte, peut-être, de l'exécutif, qu'il y ait une perte de contrôle et donc qu'il y ait une réaction euh plus, plus dur. Ah ben oui, 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 je pense qu'il y a eu une vraie, vraie réaction euh, très forte euh, de la part du, du, du ministre de l'Intérieur à ce moment-là, hein, euh, de, de mettre d'abord des, des moyens supplémentaires et de mmh. donner la main au préfet de police, hein, qui, a été, qui a été dur. Mmh. En termes de, mais je pense que c'était nécessaire, sinon euh, la police, l'État perdait la main sur, euh, sur la sécurité de, de notre pays. Enfin, c'était clair. Vous avez parlé de, de groupes de, de gauche. Euh, Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de la... De, 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 de la violence et même de, de la place de la police parce qu'il y a des propositions de certains partis qui demandent à retirer, à désarmer la police quel est votre point de vue là-dessus <laughs> Je n'ai même pas les mots pour vous répondre parce que comment peut-on dire des choses pareilles, c'est ça moi, moi, moi ce que j'aimerais, et je l'ai dit souvent sur les plateaux de télé à, à certains politiques que j'ai rencontrés c'est aller passer du temps avec nos bacs avec nos compagnies d'intervention, avec nos CRS avec les braves et je, je rappellerai juste un, un sujet intéressant, c'est qu'il y a un, un sénateur socialiste, je n'ai plus le nom en tête, mmh. euh, qui décriait les blacks, les bacs, euh, pas les bacs, pardon, les braves, les braves. et qui avait dit euh, il faut les interdire, les bacs. Eh bien, il a eu l'intelligence, ce sénateur-là, d'aller sur une manif avec les braves. Et manque de peau, ben, lorsqu'il est allé sur, le, sur ces manifestations, effectivement, les braves ont été pris à partie. Je peux vous assurer, depuis... Il est tout à fait favorable aux braves. Donc ce que je conseille, moi, ceux qui veulent donner des leçons à la police et demander à ce que la police, en gros, vienne en, en, en short et en basket sur une manifestation pour aller parler aux au gentils manifestants, ah, okay. vous voyez ce que je veux dire, mais ah, qui viennent nous expliquer comment, comment ils font. Je, très sincèrement, pensez bien que, encore une fois, les forces de l'ordre, que ce soit le préfet de police, d'ailleurs Laurent Nunes, qui a une grosse expérience de la police... Euh, Puissent penser un jour, <laughs> demander à ce que les forces de l'ordre ne soient pas armées. Enfin, C'est quelque chose d'affolant. D'ailleurs, il euh, faut préciser que mmh. armées, euh, les sorties d'armes de nos policiers n'ont pas été en conséquence de ce que ça aurait pu être, réellement. Et je vais vous dire même mieux, moi, dans ce que je voyais à la télé, confortablement assis euh, euh, dans un studio de télé, à regarder ce qui s'est passé un samedi après-midi, euh, je peux vous assurer que je me demande par moment comment se fait-il qu'il n'y ait pas, qu pas eu de sortie d'armes létale de la part de nos euh, force de l'ordre. Vous, Vous pensez voyez. que ça aurait pu aller plus loin Ah mais, 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 mais totalement. Mais, mais il y a des situations qui étaient euh, enfin, intenables pour nos forces de l'ordre. Donc je vois, il y a eu une, une véritable retenue. Encore une fois, je parle toujours de discernement, mais une retenue de nos forces de l'ordre qui, qui est exceptionnelle. Oui, tout à fait. On aurait pu avoir euh, un malheur. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème de, de formation et de moyens au niveau de la police alors, Les forces de l'ordre, d'abord, euh, la formation est revenue à 12 ou moins. C'est une volonté de Gérald Darmanin. Bon, euh, 12 ou moins, je pense que c'est un minimum qu'il faut faire. Ce que je pense qu'il faudrait faire à l'avenir, c'est de la formation continue. C'est-à-dire se remettre en question toujours sur son travail, ce qu'on fait dans les groupes d'intervention, etc. Bon, le seul souci, c'est que nos policiers sont à flux tendus en termes de travail et de repos, surtout en termes de travail. Donc, je pense que le travail de formation continue, c'est à mon sens essentiel pour nos policiers, pour toujours se remettre en question, pour toujours évaluer le travail qu'ils font, à quel niveau ils sont. Et je pense que ça, c'est une réalité. Je pense que la direction de la formation et même le, le ministère de l'intérieur a pris conscience de, de cette nécessité. Vous pensez qu'aujourd'hui, nos policiers sont suffisamment formés et, et prêts à des cas de figure ben, Vous savez, on a, vous avez affaire à des hommes, à des hommes et à des femmes avec leurs problématiques. Qu'on a tous, les uns et les autres, nos problèmes aussi personnels, qui peuvent ressurgir dans notre, dans notre boulot aussi. Hein. Donc, et en sachant que les policiers sont armés. Et je fais un parallèle, malheureusement, avec les, les nombreux suicides qu'on a dans, dans notre, dans, à l'intérieur de la police. Hein. Près de 50 suicides par an, c'est pas rien. Autant chez les gendarmes, d'ailleurs. Euh, je crois que les policiers, on peut toujours être mieux formés. On peut être mieux formés. Et, et pour être mieux formés, je pense que la formation continue va dans ce sens. Mais encore une fois, on a affaire à des êtres humains, à des hommes et à des femmes qui ont, euh, encore une fois, leurs problématiques, leur, leur façon de réagir à un moment donné, euh, à une prise à partie euh, lorsqu'on se trouve dans la rue. C'est là où je dis souvent à nos politiques qui, 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 euh, qui critiquent nos, nos forces de l'ordre, allez au contact, allez travailler quelques, allez voir. Aller en immersion dans ces unités et mmh. voir un petit peu comment le travail, la difficulté du travail de policier. Moi, ce que j'ai connu en 1980, ce n'est pas le boulot de, 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 de 2024, pas du tout. Mmh. À quoi est due cette image aujourd'hui que, que certains Français ont de la police ben Écoutez, 75% de la population aime sa police. Mmh. Je réponds avec des chiffres, excusez-moi, mmh. mais euh, je pense que la, 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 la population aime sa police, j'en suis persuadé. Est-ce qu'elle est mal aimée de la jeunesse Un peu, sûrement. D'ailleurs, moi j'y travaille avec, à travers mon association, faire mmh. ce rapprochement entre les jeunes et la police pour expliquer le métier de policier, pour expliquer que les policiers ne sont pas des ennemis, hein, ce que pensent souvent les jeunes dans les quartiers. Donc, notre travail avec Aventure, c'est celui-là, c'est d'aller au contact des jeunes dans les quartiers. On le fait dans 160 villes, c'est quelque chose de très important. Et c'est là qu'on voit il y a une mauvaise information, une mauvaise, un mauvais ressenti, je dirais, de la part des jeunes, parce qu'effectivement, les policiers vont dans les quartiers, euh, interpellent, contrôlent, etc., etc. Et effectivement, ça pose des, des problèmes, déstabilise les quartiers avec les trafics de drogue, etc. Donc effectivement, ce sont, pour une partie de la jeunesse, des ennemis. – À la suite de, de, de l'affaire euh, Naël, il y a eu des manifestations… Euh il y a eu des manifestations où on a, eu des, où on a entendu des slogans euh, comme la police raciste. Oui, euh, euh, voilà. euh, – Violée même. – Voilà, qu'en est-il Pourquoi il y a cette fracture avec certaines zones, cette opposition parfois ?– bah, D'abord, c'est le rapport à l'autorité. Chez les jeunes, il y a ce rapport à l'autorité. Il y a une certaine frange de jeunes qui n'ont plus d'autorité, mmh. au niveau de la famille, ne serait-ce qu'au niveau de la famille. Et effectivement, euh, lorsque l'autorité doit être faite par le policier, qui, dans la rue, dit attention, ça, tu pas le droit de faire, ça, tu peux pas le faire, euh, tu es en infraction, etc. Mm -hmm. le, 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 les jeunes, pour partie, attention, ne mettons pas les jeunes encore une fois, et les quartiers, j'ai horreur de faire cette stigmatisation sur ces quartiers, parce que moi, je les connais depuis 30 ans, j'y vais, et je vois qu'il y a plein de choses belles dans ces quartiers. Ne stigmatisons pas toute la population, et encore au moins les jeunes. Mais il y a une partie des jeunes, effectivement, qui ont un problème réel avec, euh, avec l'autorité. Et souvent, euh, dans les quartiers, la seule autorité qu'on rencontre, ce sont. Euh, les forces de l'ordre, ce sont les policiers eh oui, qui empêchent euh, euh, les jeunes de faire des conneries, tout simplement. Quand il n'y a plus la famille, quand il n'y a pas les parents, quand il n'y a pas l'éducation, quand on est déscolarisé effectivement, et qu'on n'a pas le, le, le cadre éducation nationale derrière soi, quand on a une désertion totale des, des associations de quartier qui ont un rôle important pour, moi, mmh. euh, pour le travail de prévention, eh bien, on a le résultat qu'on voit, c'est-à-dire une partie de la, de la population de ces jeunes qui sont effectivement contre la police à tout prix. Et on, en, on entend ces slogans, qui sont encouragés aussi par une certaine euh, politique. Hein, euh, si, si je veux être plus précis, quand vous voyez euh, la France Insoumise, par exemple, qui s'attaque systématiquement à la police, dès qu'il y a un policier qui fait quelque chose, avant même que la justice dise, vous avez les députés de la France Insoumise qui mettent en, en exergue, évidemment, euh, la police tue, la police. Euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas, pas concevable. Il, il faut rester, je crois, et surtout nos politiques doivent rester, évidemment, euh, euh, au plus près de notre police, les soutenir. Et puis, ça n'empêche pas de demander des sanctions, encore une fois, pour, pour sanctionner les, les policiers ou les gendarmes qui se comportent mal, ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire encore, à mener. Nous, on essaie de le faire à notre niveau avec notre association. Mais ce, ce mal-être, il vient un peu de la conjonction, je dirais, de, 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 de beaucoup de choses, d'élus. Qui ne sont pas favorables systématiquement aux forces de l'ordre, euh, des députés, je viens de le dire, euh, puis de mouvances aussi, hein, qui sont contre, contre, contre l'autorité, contre la police. Et le dernier rempart encore à, à, à notre société, c'est celui-là. C'est la police qui est là, quand même, pour faire régner l'ordre. Oui, pour faire régner l'ordre, tout simplement. Comment, comment vous analysez la phrase de, de l'un de nos derniers ministres de l'Intérieur, M. Colomb, sur le fait de vivre, de vivre face à face oui. Le risque de finir. Oui, mais, mais oui, il n'avait pas tort. mais je crois que, encore une, oui, oui, il n'avait pas tort. C'était une phrase très dure qui a été très commentée. Mais oui, oui on ne finit, on finit pas à, par vivre euh, côte à côte, mais face à face. Et oui, c'est un, un vrai sujet. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, on a un, un travail considérable à mener. Et ce travail, il ne se, il se résoudra pas simplement à la présence de plus de force de l'ordre dans les quartiers, de. De plus d'arrestations, de plus de tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus de répression. On ne trouvera pas le, la, la réponse. On trouvera la réponse mixée entre la loi, la règle qu'on doit respecter, donc, et les policiers et les gendarmes sont là pour ça, et encore une fois, la société civile qui doit être présente. Je pense encore au travail éducatif qu'on a à mener dans ces quartiers. Je pense aux associations. Moi, je suis un acteur associatif engagé, j'y crois. Je pense que les associations ont un véritable rôle à jouer. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai passé 10 ans. Je suis parti du raid détaché par Jean-Louis Debray, le ministre intérieur de l'époque, auprès de Serge Dassault à Il y avait des émeutes urbaines en permanence, parce que les, les violences urbaines et les rixes et compagnie, ça existait aussi dans les années 90 et 2000. C'est les années où j'ai fait beaucoup de, de terrain. Eh bien, je suis arrivé sur le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne, qui est un, un quartier très très chaud, à côté de, de Grigny à Grande-Borne. Et on a mis en place beaucoup d'activités sur ce quartier-là. Eh bien, je vais vous dire, on a atténué à 80%. Pas à 10%, non, 80%, on a atténué, on a, on a atténué pardon, euh, ces problématiques d'incivilité, d'affrontement avec les forces de l'ordre, de délinquance tout simplement. Alors il y avait un peu de le présent, etc. Hein, ça, je ne le nie pas. Il y avait l'arrivée aussi des, des mouvances religieuses qui étaient là pour faire de l'antrisme. Je les ai vues arriver, moi. Mais à côté de ça, on faisait un tel travail sur le terrain qu'on a totalement atténué. Pour y aller faire une enquête là-bas, mmh. avec Red Aventure, on a totalement atténué ces, ces problématiques. Donc, la preuve que si on est présent sur ces quartiers à faire du travail de prévention, c'est une réponse. Et je voudrais ajouter que toutes les villes dans lesquelles je vais, où je rencontre des acteurs associatifs, où je rencontre des familles, beaucoup de familles, dans plein de quartiers de Marseille, en passant par Besançon il y a, il y a quelques jours, les gens nous disent on a besoin d'associations, on a besoin de gens comme vous. Pourtant, on vient passer quelques journées avec eux pour pouvoir se sentir aimé, pour pouvoir se sentir reconnu, et puis en même temps pour apaiser le quartier. Et je crois qu'on a besoin vraiment de ça. À quel moment dans notre dans notre histoire on a perdu ce lien entre la police et, et les citoyens À quel moment ça s'est euh, Je pense que c'est sur les années 95, Sarkozy. Alors c'est pas pour cibler Sarkozy en particulier, hein, parce que euh, police de proximité, on va en venir à ça. Oui. Moi-même, euh, il m'avait, il il, il me laissait, je dirais, œuvrer avec mon association. Donc, euh, je pense que le, la perte de cette police de proximité euh, a été une erreur, une erreur stratégique, politique, je dirais. Euh, pourquoi euh, Parce que si on avait su à ce moment-là euh, réadapter. La police de proximité. Certains diront, oui, mais ça ne marchait pas, d'autres, ça a marché, etc. Ben, il fallait tout simplement s'adapter. Là, le fait d'avoir cassé totalement cette, cette, cette police de proximité, ça fait beaucoup de mal. Alors après, on a essayé, Michel Allio-Marie a essayé de remettre en place des, 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 des unités euh, euh, équipées en, en gold oracle à, à faire de, de la proximité tout ça, ça marchait plus. Je pense qu'on aurait dû l'adapter plutôt que l'arrêter, la, 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 tout simplement. Mmh. Euh, la semaine dernière, il y a eu euh, une émeute euh, à Cachan, euh, qui, des jeunes ont attaqué un lycée. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça <laughs> bon, ça, me, ça, me fait, ça me fait bondir parce que encore une fois, je – À mon niveau, mais comme le font plein d'associations, et je pense que les associations locales ont, ont, dû, ont dû réagir comme moi, c'est de dire, waouh, on essaie de faire des choses avec ces jeunes, et puis au, à la moindre étincelle, on casse tout. Bon, effectivement, le lycée n'est pas en état, etc. Est-ce que c'est utile de, de faire brûler, et de s'attaquer encore une fois aux forces de l'ordre, mmh. qui sont ciblées systématiquement sur ces… Je n'en vois pas l'intérêt, donc je pense encore une fois, est-ce qu'il y a eu de la manipulation Ce pas impossible, derrière mais je trouve que c'est dommage de, de, de voir des comportements pareils, oui, et, et des, des comportements qu'il faut, des, mmh. des qu faut sanctionner à tout prix. Mmh. – Est-ce qu'il y a un problème d'identité derrière aussi Le fait de ne pas se sentir appartenir bah, ?– Écoutez, euh, là, euh, là c'était, oui, Alors, euh, mais réagir par rapport au fait que le lycée il n'y a pas de chauffage, et il n'y a pas de fenêtre ou je ne sais quoi, euh, ce n'est pas une question que, d'identité. – Parce qu'il y a des, des jeunes qui se disaient, euh, pas français, qui se disaient, euh, nous ce n'est pas, pas notre pays. Ouais, mais en soi, je ne vois pas, mais moi j'en connais plein de jeunes qui sont d'origine, comme on dit, des jeunes qui sont formidables, qui font plein de j'ai plein de choses bien dans ces quartiers. Il euh, y a toujours des minorités quand même qui, qui, ex qui exercent quand même euh, des violences, qui exercent des comportements qui sont pas admissibles. Donc, euh, moi, je, vous savez, le, le coup de l'identité, de dire, oui, on se sent pas français parce que j'ai des origines, parce que j'en ai marre d'entendre ça, parce qu'il y a plein de jeunes, écoutez-moi, si on montrait à la télé... Tout ce que les jeunes formidables font dans ces quartiers, je peux vous assurer que ça serait un peu moins anxiogène que ce qu'on voit en permanence, c'est-à-dire une bande d'un quartier qui fout le bazar, qui casse tout. Euh, je vous rappelle que dans des quartiers, que ce soit en Antwerp ou ailleurs, il y a des milliers de familles, il y a des milliers de jeunes qui habitent. Ce ne sont pas tous des casseurs, ce ne sont pas tous des délinquants. Donc encore une fois, euh, je crois que ceux qui décident de dériver ben, ils doivent être réprimés, doivent être sanctionnés, mmh. peut-être rééduqués sûrement. Mais encore une fois, ne faisons pas l'amalgame de tout. Moi je, moi, je vais dans plein de quartiers, je vois plein de jeunes faire des choses formidables. Donc, voilà, et pourtant des jeunes d'origine, comme on dit, voilà. euh, ben, qui font des choses formidables, euh, euh, franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains, franco-sénégalais, franco-maliens, -franco enfin, euh, mm. mais des jeunes formidables, mais j'en connais un pagaille. Je, je pourrais vous faire euh, des heures et des émissions avec des jeunes comme ça, qui sont, qui sont positifs et qui, et qui embêtent personne, qui, font, qui, font, qui vivent leur vie. – Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, euh, une exacerbation de ces violences ou de ces, de ces faits par les médias ou ah les politiques ?– mais les, une médias, responsabilité. Mais les médias, les politiques et les médias ont une responsabilité, évidemment. Les réseaux, les réseaux sociaux aussi, évidemment. Mmh. On les voit tous, moi le premier d'ailleurs. Quand je vois les trucs sur les réseaux sociaux, je bondis. Et les médias, en streaming, toute la journée, vous rabâchez les mêmes trucs. Ce n'est pas pour les nommer, que ce soit BFM, CNews, LCI, les radios. Tout le monde s'accapare ces sujets-là. Et encore une fois, ça ne rend notre société que plus anxiogène encore. Parce que les gens se disent, mais même il se passe que ça. Oui, effectivement, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Avant, on ne les avait pas, tous ces médias, tous ces, tous ces réseaux sociaux, etc. Donc, il y avait des choses qui se passaient, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, plus qu'on imagine. Mais on n'en parlait pas. Donc, je pense que les médias ont une responsabilité, effectivement, de, de toujours axer sur ces quartiers qui, qui ont leurs problèmes sociologiques, qui ont leurs problèmes de délinquance et autres. OK. Mais il y a aussi quand même euh, beaucoup de choses qui se passent bien. Et moi je suis de nature plutôt positive et je me dis je préfère voir ce qui se passe de bien. Et le reste, il faut le traiter, il faut le traiter avec, euh, avec de la répression quand c'est nécessaire hein, et de la sanction quand c'est nécessaire aussi. Et donc j'en viens au sujet de la sanction et de l'harmonie qu'il peut y avoir entre le travail de la police et le travail de la justice. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas, euh, à un moment donné, il euh, y a une rupture entre ces deux... Euh, ah oui, cool, hein. ce qu'avait dit euh, un responsable syndical de chez Alliance qui avait dit que le problème de la police, c'est la justice. Bon, je trouve que ce n'était pas, pas quelque chose à dire. La justice n'a jamais autant sanctionné qu'elle le fait actuellement. Ça, il faut le savoir. Les prisons sont blindées, blindées 75 000 personnes en prison. C'est pas rien. Est-ce que tout le monde doit y être Nécessairement, je ne pense pas. Mais je n'ai pas la... Je n'ai pas la sociologie de, des gens qui sont dans ces... dans, dans, dans les maisons d'arrêt et dans les centres de détention et tout ce qu'on peut imaginer. Euh, je, je, je pense réellement qu'on euh, on devrait travailler, mais c'est un travail de très longue haleine, sur tout ce qui est rééducation, parce que lorsqu'on va en prison, c'est souvent plus anxiogène, plus... Euh, euh, pire que, que lorsqu'on n'y est pas, donc euh, c'est pour dire. Donc on entretient tout ça, il y a un véritable travail de fond à faire, Alors, je pense à la, à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui, 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 qui se bat, qui est, qui est tous les jours sur le terrain, et je travaille avec eux, donc je vois un petit peu ce qui se passe, avec les primo-délinquants, avec tous ces jeunes qui, qui dérivent, je pense qu'il faut peut-être moins incarcérer, le faire plus justement, mais peut-être moins incarcérer, et travailler sur des substituts, des peines... Euh, euh, différentes sur, sur, le, sur, sur les certains, certains profils, évidemment. Hein. Encore une fois, le, le, le sujet est quand même très complexe à, à, à gérer parce que lorsque vous voyez un jeune qui, qui fait un délit et qui est jugé un ou deux ans après, il enfin, y, y a un problème. En deux ans, il a évolué, évidemment, et il se retrouve à devoir peut-être partir en prison. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis pour les courtes peines, ça c'est clair. La sanction immédiate, sanction, peine, point final. Je dis toujours la, la sanction en valeur d'exemple. Je trouve que c'est important. Et donc à ce sujet-là, je pense qu'il faudrait travailler sur ce sur ce thème-là, c'est-à-dire et sur les jeunes en particulier, parce qu'il faut les prendre le plus jeune possible. C'est de trouver des substituts à l'enfermement pour qu'on puisse effectivement apporter des réponses fortes sur ces sur ces sur ces sujets-là. D'ailleurs, ces jeunes on les retrouve très souvent aussi dans des affaires de drogue ou de règlement de comptes. Oui. Euh, Jeunes déscolarisés qui. Eh oui, mais qu'en est-il de ce. Je prends l'exemple de Marseille ou, à, ou Rouen, où euh, sur les tonnes de saisies de drogue qui sont, qui sont faites, il euh, y a une explosion de ce marché-là qu est, quel est le travail qui est fait sur. Ben, le système. travail. Le travail D'abord, le travail sur, sur le trafic de drogue, il y a quand même un gros travail qui est fait. On sait qu'il y a une montée exponentielle de, des importations de, de trafic de drogue. On l'a vu il y a quelques jours. Narcovide, à Marseille. Le appelle. Havre, oui. Et, et le Havre aussi, avec une tonne de cocaïne qui sont arrivées. Le problème, c'est que la France est quand même située à un carrefour de euh, des villes européennes, avec euh, tout un flanc qui, qui est la mer, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a eh Bien évidemment, des des bateaux et des conteneurs qui arrivent par milliers sur le port du havre sur le port du nord anvers et tout ce qu'on peut imaginer euh, sur le port de marseille etc. ça c'est un travail qui est considérable à mener l'ofast fait un travail considérable là aussi euh, l'ofast a été renforcé en termes d'effectifs on est passé à 230, je crois, et c'était en 2021, il y en avait une centaine mmh. de, de policiers de Go fast. Donc il y a 230 personnes qui travaillent sur les réseaux internationaux, etc., qui travaillent avec Interpol, qui travaillent avec les, les pays, évidemment, exportateurs, entre guillemets, de, 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 de cocaïne. Je passe à la, à la Colombie, mais au, au Brésil aussi. Le Maroc également, hein, qui, est un, qui, est un, qui nous amène des flux de, 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 de stupes sur, sur de transit. Euh, vers... Un transit avec les Gofast qui ont, qui, ont, mmh. qui, ont, qui ont explosé depuis quelques années. Bon, et qui sont traités souvent par le RAID et le GIGN, il y a, il y a un véritable travail de fond à mener sur traquer les réseaux, ça c'est essentiel, donc mettre de gros moyens pour traquer les réseaux, traquer les flux financiers, il faut taper dessus. Rappelez-vous Al Capone. Oui. C'est vieux tout ça. Il n'a pas été interpellé à cause, à de... cause des crimes qu'il a commis ben oui. ou qu'il a fait commettre. Oui. C'est faut... Et euh... voilà, donc, donc je crois qu'il faut prendre ça comme exemple. Oui. Donc taper ces flux financiers, aller chercher les gens où ils se trouvent. Les têtes de réseau, on en trouve à Dubaï, on en trouve au Maroc, planqués. Ils finissent par, euh, à un moment donné, euh, se découvrir. Et on l'a vu avec euh, l'affaire oui. de Bengui, le, le, le gars qui a été. Qui a été voilà, mais c'est un beau travail international entre les forces de police françaises, mmh. même Interpol et le Maroc, et le là. Après, il faut travailler sur le fond. Le fond, c'est quoi C'est encore une fois se réapproprier ces quartiers et remettre en place du vivre ensemble et de la prévention, du travail de prévention sur ces jeunes. Parce que ceux qui servent de d'appât, c'est-à-dire ceux qui servent de charbonneurs ceux qui servent de guetteurs ce sont des gosses désœuvrés, des gamins qui sont déscolarisés, qui savent plus quoi faire. Et quand on leur file 100 euros par, par jour pour juste rester assis sur un fauteuil et qu'on qu'est-ce que vous voulez, ils gagnent 3000 euros par mois, le gars, sans rien faire à 14 ans, qu'est-ce que vous voulez lui proposer d'autre Donc je crois qu'il y a un travail, là aussi, de fond à mener en termes de prévention, travail social sociétales à vraiment à mettre en place sur ces quartiers. Moi, j'ai la chance d'aller souvent à Marseille et, et de, de travailler avec des associations de proximité sur ce sujet-là, mais c'est un travail qui est énorme à mener. Donc, un travail au niveau des flux financiers et de, des importations de, 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 de stupéfiants euh, de l'international, avec l'OFAST et avec les services Interpol et autres, ça c'est un travail. Le deuxième, c'est de proximité, c'est-à-dire dans ces quartiers, se réapproprier ces quartiers, ça c'est de l'ordre de, des élus aussi. Des élus, des associations et de tous ces gens-là, qui ont un travail de fond à remettre en place sérieusement. Et je pense qu'on pourrait avoir des résultats. Sinon, on va être à un moment dépassé on va se retrouver comme au Mexique, comme en Colombie, comme, comme partout. Et c'est un risque. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se dire que la France est le pays qui fait payer le plus d'impôts à ses concitoyens et que derrière, le service public, je parle de la police, mais aussi de l'éducation nationale, parce que ça rejoint ce que vous dites, les Français ont l'impression que c'est déficient oui, mais il faut savoir où on veut mettre l'argent. Encore une fois, il y a des priorités. Dans mon petit village, quand je décide de faire des, des travaux pour réhabiliter une rue qui, dans laquelle il y a des trous, etc., c'est parce que je veux éviter qu'il y ait des accidents, tout simplement. Donc je donne priorité à la voirie, par exemple. Euh, voilà, alors au, au petit niveau de ma commune, en tant que maire, je fais ça. Je pense que l'État doit faire pareil. À un moment donné, il faut savoir où on veut mettre les priorités. Et moi, je veux bien qu'on qu aide la terre entière, qu'on qu aide l'Ukraine, qu'on aide tout le monde. Mais que fait-on concrètement dans, nos, dans, notre, dans notre France C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans les Outre-mer aussi Les Outre-mer qui sont souvent euh, laissées à, à l'abandon. Prenons l'exemple de Mayotte. C'est une catastrophe euh, totale, catastrophe humanitaire. Ça va devenir peut-être même euh, une, un risque d'insurrection possible, compte tenu de ce qui se passe. Et les policiers sont euh, dépassés. Pourquoi, pourquoi l'État n'investit pas dans ces zones-là, justement en termes de policiers, de services publics. Il y, y, y a encore une fois beaucoup de choses faites. Vous savez que Darmanin a fait, le, a fait voter une loi, la LOPI, mm -hmm. loi d'orientation et de programmation du ministère intérieur, de 15 milliards sur 5 ans. 3 milliards par an. C'est une nouveauté. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Encore faut-il le voir sur le terrain. Oui, alors Il y, y, y a du matériel qui a été mis en place pour les policiers, il y a l'arrivée la, la, des caméras piétons, il y a tout un tas de... Aussi. On a besoin des besoins humains aussi. Et des besoins Alors, sur le recrutement, oui. Le problème, c'est qu'il y a une désaffection du boulot aussi de cette... De, 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 des jeunes de rentrer dans la police à gendarmerie, à, à nous, acteurs associatifs aussi. Moi bon, je le fais vous parce sentez, que je suis fervent de... Que... Oui, 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 oui. Et puis il y a des démissions aussi. Il y a des policiers qui, qui quittent la, la fonction de policiers nationaux ou qui partent en policier, police municipale. Ou qui démissionnent tout simplement. Donc il faut redonner envie, il faut redonner ouais, envie à, à, aux gens de rentrer de revenir dans, dans, cette, dans ce, dans ce métier-là avec de nouvelles perspectives, c'est important. Mais c'est vrai que c'est compliqué à, à mener tout ça de fond, et ça va prendre du temps. On va parler aussi de la réinsertion des jeunes, parce que vous êtes actif là-dessus. Quelle forme ça prend dans votre association Alors, nous on est un peu, un, un, comment dire, on est un, un outil, au service de, de dispositifs qui existent déjà et qui, qui font un travail formidable pour les jeunes. Je pense aux établissements publics d'insertion d'emploi, les EPID, mmh. qui prennent en charge des jeunes de 17 à 25 ans, qui sont souvent déscolarisés et qui retrouvent un cadre, un cadre de, de vie, un cadre de travail, euh, un cadre tout simplement euh, de vie normale. Euh, et, et ces dispositifs, il y, y, y en a pas mal en France, il y a une vingtaine de dispositifs qui existent, ça prend en charge près de 3 000 jeunes par an, qui sont amenés à travers euh, des associations à intégrer ces dispositifs. Et, et ça marche, ça marche. On a les écoles de la deuxième chance aussi qui fonctionnent. Il euh, y a ces dispositifs, encore une fois, qu'on devrait multiplier, mais à l'infini, parce que pour moi, c'est une véritable réponse. Et nous, on vient euh, en intervenant, euh, je dirais, comme, euh, comme acteur charnière de, de ces dispositifs, euh, à travers des séjours de cohésion, d'entraînement, etc., pour redonner envie aux jeunes de s'en sortir. Quoi. Et ça marche bien, parce que c'est encadré par mes... J'ai 350 policiers. Mmh. Qui travaille euh, sur ce dispositif avec la bénédiction du ministère intérieur et du directeur général de la police nationale. Mmh. Et je trouve que ça, ça va dans le bon sens très sincèrement. Euh, c'est un travail moi, qui, 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 qui construit, notre, qui reconstruit ces jeunes qui sont parfois en dérive ou qui partent, euh, qui sont qui ont pff, plus envie de faire grand-chose. Et je, voilà, là, là c'est des réponses concrètes. Je trouve que ces dispositifs elles, devraient être multipliés par, par 100, parce que ce sont de véritables réponses. Donc nous, on rentre dans ce dispositif pour encore une fois. Euh, euh, aider une partie de la jeunesse qui a l'intention de, de, de repartir sur le bon chemin. Est-ce que cette mission-là, c'était pas celle du service mili euh, militaire en son temps euh... Le service militaire avait du sens, moi je l'ai fait, vous ne l'avez pas fait, vous, vous êtes trop jeune. Pensez, vous pensez qu'il faille remettre... Euh... Ouais, c est, c est... Oui, alors est-ce que le service militaire, euh, actuellement, le remettre en place, c'est plus possible puisque l'armée, on est parti sur une armée professionnelle, mais, donc on, on aurait plus les effectifs et, et les, les casernements, pourtant, ils existent, mais on pourrait... Mais, en soi, euh, on est parti euh, à la volonté, par la volonté de Chirac sur une armée professionnelle, Donc, ça serait compliqué. Alors on a un substitut qui s'appelle le service national universel. Et pareil, lorsque c'est sorti, évidemment, on a dit ça ne sert à rien, ça coûte des milliards, ça ne sert à rien. Mais écoutez, moi, encore une fois, je vous parle d'expérience, hein, je ne vous le parle pas en lisant juste des, des communiqués de, de presse. Euh, euh, J'en ai, d'abord j'ai été directeur de SNU il y, a, il y a deux ans, parce que je voulais voir ce que c'était. J'ai un peu participé à la création de ce. en apportant mon, mais quelques idées, euh, lorsque Gabriel Attal a lancé ça, qui était euh, secrétaire d'État à la politique de la ville. Et je le suis, puisque je suis site d'accueil, moi, de l'USNU. Et je trouve que c'est formidable pour les jeunes. Ça donne de la. Ces brides de citoyenneté qu'on donne aux jeunes, cette euh, envie de respecter la société, euh, la laïcité, ben, tous ces termes qui sont importants, liberté, égalité, fraternité, je trouve que ça a du sens. Même si c'est que 15 jours dans leur vie, ben, je peux vous assurer, moi je vous invite, d'ailleurs, au mandat, fait mars, début avril, j'en reçois là, mmh. à Dreux, sur mon site, et ben, je vais vous assurer que c'est beau de voir ces jeunes-là. Pourquoi le rendre obligatoire Parce que. Jusqu'à maintenant, ça touchait euh, qu'une catégorie de jeunes, effectivement, pas nécessairement les jeunes des quartiers. Pourquoi Parce que souvent les parents qui disent aux jeunes, il faut que vous ayez faire ça. Voilà, c'est pas obligatoire. Moi, je pense qu'à travers l'éducation nationale, ça doit devenir obligatoire. On est à une jauge à 7 800 000 jeunes euh, participants à ces dispositifs. Actuellement, on doit être 80 90 000. Bon, ben, je crois qu'il faut le monter en, 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 monter en pression, tout ça, parce que je trouve que ça a du sens, encore une fois, pour notre jeunesse. C'est 15 jours de stage, 15 jours d'engagement dans une association. Moi, j'en reçois beaucoup, d'ailleurs, à travers toutes les journées qu'on fait à travers toute la France. Et je trouve ça formidable. Voilà, c'est comme ça qu'on construit une société. Après, on peut toujours critiquer, effectivement. Mais généralement, ceux qui critiquent, c'est ceux qui font rien à côté. Vous êtes aussi euh, maire de Belfou? Oui, d'un petit village. Euh, pendant les, les manifestations de Gilets jaunes, euh, il a souvent été question de remettre au centre du débat les... Euh, les, les acteurs locaux, euh, retisser du lien avec ceux qui sont en contact des citoyens, ouais. euh, quelles en sont les, les conséquences quelques années après Est-ce qu'il y a eu du changement Est-ce que euh, vous avez senti qu'il y a eu un, un bah, investissement euh, bah, de on, on est dans un État centralisateur, hein, un État jacobin, comme on dit. Hein. Mmh. La gestion, c'est Paris. Paris et le reste du monde. Paris et le reste de la France. C'est un peu ça. Hein. On est, encore une fois, il faut que l'État, les administrations comprennent que... Décentraliser, c'est une chose, ça existe depuis Gaston de Fer, c'est pas d'aujourd'hui, hein. mmh. 81, les années 80-81. Décentraliser, permettre aux élus locaux d'avoir plus de responsabilités, gérer, gérer au plus près les problématiques de terrain mmh. et ne pas être sous la pression d'une administration qui nous écrase en permanence. Moi je suis maire du rural, j'ai une secrétaire à mi-temps, euh, mmh. elle est toujours obligée d'aller faire des stages pour se remettre à niveau pour gérer des papiers, pour les gérer de l'administration. Et il y a des choses parfois que je vois qu'on pourrait régler avec une facilité déconcertante. Mais non, c'est compliqué parce que l'administration centrale est là, le préfet est là. Alors le préfet nous aide, on ne peut pas, pas cracher sur le préfet de, de mon département, évidemment. Mais, mais c'est vrai que lui-même, d'ailleurs, il est pris dans ce système de la, de, de la centralisation administrative de tous les sujets. Et, et c'est vrai que décentraliser. Alors Macron en a parlé souvent, hein, il était venu même au contact des, des Français pour dire euh, « je viens à votre contact pour montrer que… » Mais euh, concrètement, <coughs> pour l'instant, on reste quand même dans un pays qui est euh, très administré et euh, au niveau local, nous on le sent, hein, on a euh, vraiment des soucis effectivement de, de, de responsabiliser les maires, hein, de leur donner… La possibilité, je dirais, à chacun de pouvoir avoir des actions spécifiques dans chacun de On essaie de faire des modèles. Alors, on a créé des communautés de communes, des EPCI, des, des, des métropoles, des méga-régions. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et, et tout ça, ben, ça ne nous arrange pas. Nous, les élus de proximité, ça ne nous arrange pas du tout. Donc, ça il faut vous, faire confiance aux élus de proximité. C'est ce que demandent les Français, d'ailleurs. De redonner plus de responsabilités, oui, de, bien de, de marge de manœuvre Bien euh, sûr, oui, 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 oui. Aux, bien sûr, absolument. Que, 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 que l'État garde des sujets régaliens, effectivement, on le comprend, hein, mais qu'à un moment donné, les élus de proximité puissent euh, œuvrer comme ils l'entendent, sans devoir en référer sans arrêt à l'État, à l'administration, aux administrations qui nous gèrent. Hein, parce que sinon, euh, ben, on n'avance on pas sur -ce, certains sujets. Est-ce qu'il y a des aspects où vous sentez qu'il y a des déficits pour votre compte à l'échelle de votre. Votre commune. Ben les, ben les, les, les moyens financiers qui, qui baissent d'année en année évidemment hein. Quand on donne à, à Paul on, il, faut, il faut prendre à pierre hein. donc euh, c'est un peu le, le problème donc effectivement ça les dotations pas. les dotations tout ça euh, oui, euh, se, se baissent et, 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 et le pire là dedans c'est qu'on a toujours plus de plus d'administration c'est ça le truc et je vois encore il y a peu de temps là, il y a quelques, cette semaine je crois qu'on parlait il y a plus de 50 000 fonctionnaires à plus dans notre, dans notre pays Bon, bon, je veux bien, j'ai rencontré des fonctionnaires, j'ai été 36 ans. Mmh. Mais pourquoi faire hein Je m'interroge là aussi. Mmh. Donc, à creuser. A... Oui, donc il y a une dépense euh, folle de. Ah, ben oui, 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 je pense que. Oui, euh, bien sûr, derrière, bien sûr. On demande à faire des. Mais, bien sûr, et de faire des économies, nous, ouais, ouais. bien sûr, au niveau local, évidemment. Alors que l'État ne regarde pas du tout à, 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 à dépenser. Moi, vous savez, ma, ma commune, je la gère, je ne suis pas déficitaire. Hein. L'État est déficitaire de combien <laughs> mmh, bon, plusieurs, euh, hein? minières, bon, donc, bon euh, voilà. Donc, euh, ma petite commune, alors, je n'ai pas les, les problématiques, évidemment, que rencontre l'État dans la gestion de, euh, des budgets, mais, mais moi, ma, com ma commune, elle est, elle est, elle est positive, comment dit. Il y a une déconnexion entre les grandes métropoles, entre Paris et le reste de. Ah, mais bien, sûr, mais bien sûr, totalement. Mmh. bien sûr, Et même les grandes métropoles prennent la main sur tout. Donc, quand vous voulez vous adresser à l'un ou à l'autre, pas, en gros, on ne sait pas à qui s'adresser. Mmh. On a une multiplication. Une, euh, de strates administratives qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus les, gra les grandes régions qu'a voulu faire euh, Manuel Valls. Euh, je vous prends l'exemple d'Occitanie. <coughs> ben, vous avez un pôle central qui est à Montpellier, de la région, et un autre pôle à Toulouse. Mmh. Alors on nous dit que d'ici quelques années, ça va se résorber tout ça, ça va fusionner. Mais à l'internat, vous avez deux régions en gros. Oui. Voilà. Donc, parce qu'il parce qu y a du personnel qui est à Toulouse et qu'on ne va pas emmener à Montpellier, et inversement. Voilà. Mmh. Mais on fait des doublons partout. Mais tout ça, ça coûtait des millions et des milliards. Et pour des conséquences finalement... Pour... pour un résultat à zéro. Ça a été le cas aussi pour le cas de, de la crise des agriculteurs, où on demandait justement qu'il y ait moins de démarches administratives. Oh, mais on est dans une société super administrée. Tout ça, ça a été fait par nos, nos, nos technos, nos gens brillants intellectuellement, sûrement, je n'en doute pas, mais euh, qui réagissent par des lois, des règlements. Euh, et, 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 et du contrôle administratif qui fait que bah, c'est eux qui, maintiennent, qui détiennent le pouvoir absolu. Et on le voit au niveau de la France, mais on le voit au niveau de l'Europe, pareil, qui maîtrise tout un tas de sujets qui devraient d'abord être, euh, comment dire, euh, recentrés sur, sur les pays, sur la France, par exemple. Tout ce qui est sujet de, 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 de gestion, je dirais, de nos, de nos problématiques euh, euh, agricoles, etc., devrait être géré dans notre pays et pas Géré par euh, l'Europe, l'Europe, on pourrait avoir euh, une gestion euh, collective avec euh, les armées, par exemple. Pourquoi pas mmh. voilà. la, la France est encore souveraine chez elle. Vous pensez Souveraine. Euh, on a l'Allemagne quand même qui est qui, qui est très forte hein, malgré ce qu'on peut penser. Mmh. Euh, non, je pense qu'on est pris dans un système euh, européen euh, euh, duquel on a du mal à, à sortir. Et je pense que. Emmanuel Macron, le premier, est un Européen euh, convaincu, donc euh, est-ce qu'il faut se, pour autant euh, se, se rétracter de se remettre sur soi Je ne sais pas ce que je veux dire non plus, hein. mm -hmm. mais je pense encore une fois qu'il faut trouver un juste équilibre. Mm -hmm. Il y a des choses qui doivent être gérées par le pays, donc la mm -hmm. France en interne, avec nos, notre politique interne, et puis d'autres choses effectivement gérées par, par les institutions européennes. Je pense à la défense en particulier. Euh, – Au niveau européen, là, on va avoir des élections, euh, vous pensez que ça va faire changer quelque chose, en sachant que là ce sont plutôt des partis souverains qui vont arriver euh, en tête Oui, on voit une extrême droite quand même qui montait considérablement. Mmh. Euh, avec la déception qu'ont les gens effectivement des partis traditionnels, on se rend compte que le Front National est à plus de 30%, je crois. Hein, mmh. que, voilà, et que Renaissance est à combien À 15 ou 17 et puis les autres, un Degregola 2 à 7-8 derrière, euh, on peut se poser une question. Oui, mais encore une fois, euh, ces résultats-là viennent du fait que nos partis traditionnels n'ont pas su apporter de réponse aux Français. Donc les gens se disent, ben, comme on n'a pas essayé euh, l'extrême droite, on va essayer l'extrême droite, ce qu'on a vu en Italie, ce qu'on voit dans d'autres pays européens. Hein. Pour en venir même, sur la... même au Portugal, d'ailleurs. Effectivement, pour revenir sur la question sécuritaire, vous, vous avez proposé dans un article, euh, il me semble, l'intervention de militaires. Est-ce que vous pensez que... C'est pertinent. Bah écoutez, moi, moi, sur ce que je vois, ce que je vois depuis 30 ans et l'évolution de, 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 de certains quartiers, je pense au QRR, au quartier de reconquête républicaine, je pense que ça serait intéressant même de faire un test. Allez, faisons pas ça de façon générale, mais un test. <coughs> Pourquoi je dis ça Parce que nos forces de l'ordre sont euh, saturées de missions et font très très bien leur boulot. Hein. Euh, les équipes de stupes locales, etc., font un boulot considérable. Ça ne remet pas en question leur, leur efficacité, leur travail. Oui. Mais la tâche est tellement grande que... que, que, que et, je, et on ne peut pas cracher non plus sur le, le ministre de l'Intérieur, qui fait quand même ce qu'il peut euh, pour euh, développer euh, des services plus importants. Je pense aux, aux OPJ par exemple à, à Marseille. Euh, L'OFAST, on parlait tout à l'heure l'OFAST, qui a été augmenté. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui sont faites quand même pour répondre à la délinquance à ces problématiques. Mais je pense que si on voulait euh, peut-être rendre plus efficace le travail de fond de la police, l'aide de l'armée euh, sur la sécurisation sur tout ce qui est euh, ce sentiment que ressentent les gens dans ces quartiers d'insécurité. Ils demandent du policier, c'est-à-dire des gens qui patrouillent, qui sont en bleu et qu'on voit là. Eh bien, pour pouvoir le faire de façon récurrente, permanente, seule la police ne pourra pas le faire, hein. pas plus que la gendarmerie. Donc je pense que la... La, la, euh, demander à l'armée de soutenir, comme on le fait à travers le plan Vigipirate, parce que je sais qu'il y a certains généraux qui vont raconter que l'armée est faite pour faire la guerre. OK, d'accord, si on prend les textes, d'accord, pas de problème. Mais elle est là aussi pour assurer la sécurité des Français, et pourquoi pas sur le territoire français. Donc je ne vois pas en quoi cela poserait un quelconque problème euh, législatif ou autre. C'est une décision après qui est, qui est à prendre par ceux qui nous gouvernent. Mais je pense que très sincèrement, ça serait une réponse. Et c'est d'autant plus une réponse qu'on voit ce qui se passe avec la garde nationale aux États-Unis. Pour lutter contre la délinquance, la garde nationale est descendue dans la rue. Euh, au Maroc, vous avez euh, des équipes mixtes, mmh. policiers, donc autorités euh, civiles, militaires dans la rue. Donc il y a de plus en plus de pays qui sont en train de se tourner vers cette solution. Ça veut dire que ce n'est pas complètement stupide. Et pour le cas français, il n'y a pas un risque de dérive Mais, euh, Quel risque de dérive à partir du moment où les gens ont des consignes Je vous rappelle quand même que. Euh, Lorsqu'il y a eu le plan Vigipirate, je sais que ça n'a pas plu beaucoup aux au généraux, hein, ce truc-là, mmh. d'envoyer des militaires faire de la sécurisation sur les Champs-Élysées ou ailleurs, ou dans des secteurs à risque terroriste. Mais écoutez, il euh, y a bien des bérets verts de la Légion qui sont des unités d'élite à patrouiller mmh. sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller faire la même chose, de la sécurisation dans des quartiers difficiles. Pourquoi pas? Merci beaucoup monsieur Bruno Pomar. Merci. Euh, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour les grands entretiens d'Omerta.